le but, c'est de permettre à ceux qui sont inscrits au stage de pouvoir retransmettre les impressions qu'ils ont eues du site, de ces bâtiments, et d'essayer de faire des dessins ou des croquis qui dégagent quelque chose, qui dégagent une émotion, peu importe disons le savoir-faire ou le non-savoir-faire, c'est ce que ça dégage. C'est un beau site, les bâtiments sont intéressants, on a des grandes zones verticales et des belles horizontales et des verrières, il y a tout un... Non, c'est de très belles architectures. Sur les trois, juste... Moi je dessine, je fais de la peinture, de la gravure depuis longtemps, depuis l'âge de 17 ans. J'habite aussi dans le quartier de la Manufacture depuis 6 mois. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un quartier qui a vraiment une identité de par tous ces bâtiments. Alors on va en sélectionner un certain nombre, on va essayer de créer un medley intéressant justement en fonction des traitements de l'architecture à partir de photos qui sont elles très objectives. Les artistes, les stagiaires ici ont fait des choses très différentes, donc on va créer un medley pour les participants qui souhaitent pendant un mois et demi abandonner leur dessin, ils seront exposés donc au musée Automoto-Vélo, donc au niveau de l'accueil, dans le hall d'entrée, et sur un certain nombre de grilles. Hein, et donc ils seront posés tout à l'heure en fin de journée avec les participants. Ils seront visibles donc d'aujourd'hui, 12 avril, jusqu'au 2 juin. Voilà.